Hey, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, on se retrouve pour notre 10e épisode sur Ricky Watchcat. Et la dernière fois, on s'était laissé avec Kirin qui nous avait remis une clé qui avait visiblement une grande importance. Pressé de savoir ce qu'elle fait, ce qu'elle débloque d'ailleurs. Exactement. Ah oui, les épreuves. Ah, il pense que c'est la fin des épreuves. Du coup, est-ce que je peux quand même avoir la Suzaku Tenzan? Ah, parce qu'il pense les avoir finis. Il semble qu'on s'est mal compris d'une manière ou d'une autre. Hein. Ouais, en fait, il pense que la Suzaku Tenzan c'était une légende et qu'en fait il l'a pas eu, tu vois. Vu qu'il a eu la clé, il pense qu'il n'y a pas de Suzaku Tenzan en fait. La Suzaku Tenzan est au sommet de la montagne d'en face, avec d'autres épreuves. Ah quoi? Ah bah oui, c'est une autre épreuve, c'est pas celle-là. On n'était pas au bon endroit, c'est au milieu d'une bataille d'épreuves qu'elle se trouve. Ah, donc les autres sont sur la montagne. Sur l'autre montagne. Sur l'autre montagne, c'est ça. Merci, Kirin. Oh, et du coup, emmenez-moi au sommet de la montagne, s'il vous plaît. L'autre montagne. Mais on vient juste de se battre. Vous allez vous chercher à accomplir d'autres défis? Bah, évidemment. Oui, mes amis se battent là-bas, je dois y aller. Tu veux te mettre au défi de la Suzaku? Je vais te prêter un pouvoir. Le miroir Tenayo Yokai, c'est un objet spécial pour m'appeler. Qui est cette petite chose? Merci, Kirin. Attends, tu vas pouvoir te téléporter grâce à lui? La Suzaku est très forte. Soignez-vous avant d'aller là-bas. Merci beaucoup, Kirin. Bon, j'ai fait ce qu'il m'a dit, alors j'ai été me soigner, je tiens pas non plus à risquer ma vie. On dirait que vous êtes prêts. Eh bien oui, bien sûr. Ah, il a encore quelque chose à nous dire. Déjà, il nous a parlé d'un espèce de miroir, donc à quel moment il va nous le donner? Je crois qu'il est en train d'expliquer que sur l'autre montagne, il y a des formes dark side des yokai, et que là, il était sur une montagne un petit peu moins dangereuse, en fait. Et que du coup, les formes dark ont besoin de plus d'énergie que celles de jour, tu vois. D'accord. Et que là, il lui dit que voilà, son pouvoir va lui permettre d'absorber un peu de son énergie et ça va lui permettre d'être un peu plus fort. Si je peux utiliser un tel pouvoir, je l'utiliserai. Je te la remets alors. Donc c'est là qu'il nous remet le miroir. Oh. Donc ça, c'est un miroir Tenayo Kirin. Voici mon pouvoir de guérison. Pour te guérir. Ah, c'est un pouvoir de guérison. Viens maintenant. Allons vers la Suzaku. Allons-y. Waouh. Qu'est-ce qui vient de se passer? Donc là, du coup, on s'est téléporté avec Kirin, j'imagine. Normalement, oui. Oula. Oh, il a trop la classe. Waouh. Je ne peux pas croire que ce soit si dur d'avoir la Suzaku. Allez, on ne peut pas échouer ici. Akinori nous attend. La Suzaku est là-haut. Ah, mais c'est Kirin. Mais qu'est-ce qu'il fait là? Bah, il a essayé de prendre Kirin. Est-ce que c'est... Ah, mais il a carrément changé de visage! Oh, what? Il a carrément perdu 40 kilos! Ah oui, il a carrément perdu! Mais what? Et bah quoi, vous êtes surpris? C'est moi, Akinori Dayo! Pourquoi il s'appelle Dayo maintenant? Akinori? Akinori? C'est vraiment Akinori? Bah, je me le demande! Oh, laissez-moi tout vous expliquer. Il semble un peu différent des épreuves précédentes. Je suis Akinori, membre d'une mystérieuse équipe détective. Et je viens pour Suzaku. What? Mais c'est lui Suzaku normalement. S'il te plaît, montre-moi d'abord ton pouvoir. C'est lui Suzaku. Il a vraiment trop la classe, en tout cas. Oh, la musique! Elles sont toujours aussi belles, la vache! Mais attends, on a toujours pas élucidé le mystère de pourquoi il est comme ça, en fait. Mais j'en ai aucune idée. En tout cas, t'as vu notre XA? En fait, je pense que c'est quand il a absorbé le pouvoir de Kirin. Ah, tu penses? Il est devenu quelque chose d'autre, en fait. Oh,
peut se TP. What? Par contre, moi j'ai plus de mana, faut faire attention à ça. Ok. Je me demande quand est-ce que. Enfin, comment charge mon XA? Bah, je... attends un petit peu. Je pense en tapant, en absorbant du mana, en faisant plein de trucs. Ouais. En combattant quoi. J'imagine que ça doit être A. C'est dès que tu subis les dégâts ou que t'en infliges, je crois. Ça fait quoi, ZR? Oui, ça fait absorber le mana, forcément. Oui. Oh! Sors. Oh, il s'est transformé en phénix! Tu l'as vu? Ouais. Ah la vache! Oh, je suis au max! Tu vas pouvoir invoquer Kirin? Je vais devenir Kirin, non? Ah non? J'invoque le pouvoir de Kirin! C'est le pouvoir de guérison? Ah, c'est le pouvoir de guérison! C'est le fameux. C'est ce qu'il avait dit! Absorbe le mana, absorbe le mana. Oh, ça a fait la chance! Mais c'est génial le pouvoir de Kirin, mais en fait ça nous aide de ouf quoi! Bah, en fait, grâce à ça, tout le monde est soigné quoi. Absorbe le mana. C'est quoi cette espèce de chant? C'est la fin du combat. Ah d'accord. À chaque fois que tu commences un combat, en fait, t'es limité dans la zone. Oh, le phénix encore! Attention! Ouh, la vache. Absorbe le mana. Ouais, bah. Sors-toi de là! Oh, il m'a fait un de ses enchaînements, j'ai pas eu le temps de faire quoi que ce soit. Il est où? Par contre, sa forme de phénix est juste magnifique. Ah! Gaffe. Ouais, j'ai appuyé trop tard sur la touche, je l'aime. Mais il est où? Je le vois pas. À droite. Ah, ok. Ok, le combat touche à sa fin. Par contre, il est. Ah, bah voilà. J'allais dire le yokai que j'ai, il est pas ouf, mais ça passe. Pendant un moment, j'ai cru que c'était toi qui avais perdu. Ouais, moi aussi, j'y ai cru. Oh, tu es merveilleux, Akinori. Ce fut une belle bataille. Il est difficile de surmonter les épreuves de la Tsukaizen tout seul. Tsukenzan en plus. Ce n'était pas un combat seul. J'avais Junior et Kirin qui veillent sur moi. Je crois que nous sommes tous en vie. C'était un combat pour nous tous. Une victoire pour l'agence détective. Vous avez un esprit d'équipe et cette force est imbattable. Acceptons-le comme un maître du nouveau pouvoir. Vous avez libéré le sceau de ma force et gardé cette épée. Oh, et on va pouvoir garder son épée? Elle est trop stylée. On va pouvoir garder l'épée en sécurité de la Suzaku Sakai Tenzan, donc c'était la sienne, hein. Ah, du coup, c'est Thomas qui la récupère? Ouais, c'est toi qui la récupère. Donc c'est la question que tu posais la dernière fois, comme quoi il y avait plusieurs emplacements pour les épées, en fait. Ouais, c'est ça. Tu vas pouvoir choisir, en fait, le XA. Donnez-lui le pouvoir courageux que vous avez. Et si vous voulez m'appeler, utilisez ça. Parfait, donc du coup, là, je pense que c'est Akinori qui a un nouveau pouvoir. Aussi. Merci, Suzaku. À mon avis, ouais, les espèces de pouvoirs miroirs, c'est Akinori qui les a avec la Yokai Watch miroir. C'est ça, exactement. Mais par contre, ouais, à mon avis, il y a des trucs différents. Merci, bon, je vais tâcher de l'utiliser correctement. Vous avez l'air bon. Je crois que vous allez le faire. Eh bien, retournons dans notre monde, maintenant. Mais qu'est-ce qu'ils foutent, là, eux? Non. What? Mais... Avez-vous trouvé la cible? Ils sont là, les humains! What? Ne faites pas ça! Oh, vous avez ramené à nouveau des amis? Oh, vous avez peur pour moi? C'est inutile. On doit être amical avec les humains. Oh, je suis désolée. What? Bonjour à vous, chers humains. S'est-on déjà rencontré? On s'est déjà rencontré. On s'est déjà rencontré. Vous êtes qui? Il y a quelque chose que j'aimerais entendre d'abord. Avez-vous ramassé une épée comme celle-ci, par exemple? La Suzaku Tenzan. Non. Non. On l'a pas. Tu n'as pas eu tout ça. Je n'ai pas ça. Oh, sa main! Mais oui! Tuma! Mina! Enfuyez-vous! Je les retiens! Très drôle d'essayer d'aider vos amis. Mais ça va se tenir ici et maintenant. Ah! J'ai passé notre deuxième combat contre Doketsu. Et cette fois-ci, il y a aussi Sodartha. Il me semble que c'est sur Kayla. Sodartha SSS, mais je sais plus comment il s'appelle. Ah, c'est lui?
Oui, c'est Sword Art SSS, mais je sais pas s'il s'appelle Sword Art SSS ou s'il a un autre nom, moi c'est la façon dont je l'ai traduit, mais... et dont je l'ai reconnu, mais... Alors, est-ce que tu vas pouvoir utiliser le pouvoir de Sosa Kuten? Pas tout de suite, c'est trop tôt encore. Il y a le Xa qui est disponible, je crois. C'est trop tôt encore. Tu crois? Ah ouais, ça a l'air d'être pas activé. Ah bah non, regarde, t'as vu. Non, ça y est, tu pouvais en fait. Oui, j'avais qu'un seul choix. Oh, parce qu'à mon avis, là, on était peut-être obligé d'utiliser la Sosa Kutenzan. Tu vois? Vu qu'on le nargue, pour le narguer, entre guillemets, avec l'épée qu'il voulait. J'en sais rien. T'as vu par contre quand t'es transformé, si tu utilises pas de mana. Ah peut-être qu'avec Susan Kutenzan en effet ouais. Ok j'en ai eu un. Ah mais ouais, j'ai pas tué. Non, j'ai pas tué le deuxième. Attends, mais c'est fini. Non c'est pas fini. T'as vu il y avait deux vies et une vie des boss. Oui, c'est normal, c'est parce qu'il y avait le premier boss qui était le Siddhartha et c'est ça. Ah ok. Et lui. Du coup c'est Jibanyan qui l'a battu pour toi. Ah ouais il est trop fort Jibanyan. Ah, c'est la clé qu'il a eue tout à l'heure. Oh. Akinori? C'est une clé que j'ai eue plus tôt. Oh, oh, ça marche. Je ne sais pas, mais en tout cas, on doit y aller. Mina. Dépêchez-vous. Alors du coup, où est-ce que cette clé spéciale va nous emmener? Va nous emmener. Oh. Ok, comment semer deux des plus gros méchants? Ils se sont échappés? C'est ce qu'on appelle crier. Oui. La musique toute douce derrière. Oh, on est bloqué. On est sauvé. Quelque chose ne va pas. C'est quoi ce bordel encore? Oh là là. Où est-ce qu'on atterrit encore? Ah, il fait froid. Mais c'est quoi ce bordel encore? On est où là? Quoi? Quoi? On est où là? Mais c'est quoi ici? Ah ok. Puis eux, toujours devant leur porte. Qu'est-ce qui s'est passé? Il semble qu'ils aient utilisé quelque chose avec un étrange pouvoir dans cette porte. Son vieux sourire en face de la fin. Attends. Je pense qu'il sait où est-ce que ça mène en fait. Oh. La ville où la neige tombe. Oui. What? C'est la première fois qu'on voit la neige dans Yukewash. Oui. C'est magnifique. J'avoue que c'est grave stylé. Oh, c'était moi une, hein. Mais je ne referai jamais ça. C'est bien d'être flagé, mais où sommes-nous? Il fait froid. Voici l'hiver. L'hiver. Super. Merci, Mac. Tu es très... Ouais. En tout cas, pas de doute. Il s'agit d'un monde humain. Allons rencontrer les autres. Elle a... Regardez la porte, tout le monde. C'est vrai qu'elle a un truc bizarre sur elle. Ouais. Mais qu'est-ce que c'est? J'ai l'impression que ça réagit pas en utilisant la clé. Mais que devons-nous faire? Ce qu'une personne ferait si elle ne peut pas revenir de son monde d'origine. Ouais, c'est-à-dire visiter. Non, ouais, ça doit ressembler à ça. Tu ne te demandes pas quoi? Désolé. Je suis surpris. Enfin, comme avant, mais maintenant, ça commence à être gérable. Hein. Tu m'étonnes, à force de voyager à travers tous les mondes, je pense que ça commence à devenir gérable. C'est positif, n'est-ce pas, Alexis? Ouais. Il commence à en rire, hein, de vivre des trucs totalement loufoques. Hein. Positif dans cette situation? Il faut trouver un horloger légendaire. Ah, pour le saut, j'imagine. Légendaire. C'est pas étonnant. Cette porte doit pouvoir être utilisée. En fait, ils pensent que le saut est comme le saut de Randé. Mais vous pensez qu'on peut seulement utiliser cette porte pour venir ici? Ou elle est fermée sous condition? J'avoue, c'est une très bonne question. Si on ne peut trouver un moyen de revenir, j'ai trop froid pour continuer. C'est vrai ça? Bien, il est temps de collecter des infos. On va aller voir où on se trouve. Oh mon petit, tu dois avoir froid cet hiver. Il y a trop de choses. On est en décembre. Avec de tels vêtements, tu vas attraper froid. Nous sommes en décembre? C'est pour ça qu'il fait si froid. Tiens bon. Et pourquoi y a-t-il eu un tel hiver? Ils sont en train de discuter de la télé. Que comme quoi la télé en noir et blanc c'est fini, que maintenant ils sont passés à la couleur.
Ah ouais, donc non seulement on est passé l'hiver, mais en plus on est dans le passé d'il y a très longtemps. Ah ouais. Donc là il est en train de se rendre compte qu'ils ont grave remonté le temps. Parce que la télé en noir et blanc, à mon avis... Ça remonte un peu, oui, c'est clair. Ça remonte un peu, quoi. C'est vraiment magnifique. Et pour moi, cette ville, c'est Grand Val. Mais il y a 100 ans, quelque chose comme ça. Là, on est vraiment, vraiment remonté dans le passé. Non, je dirais pas autant de temps, parce qu'il y a quand même des voitures qui sont assez modernes. Bah, après, on sait pas en quelle année se passe Yo-Kai Watch 4. Oui, oui, bien sûr. Enfin, je pense que c'est 100 ans par rapport à Natsume. Par rapport aux 30 ans, tu vois ce que je veux dire. Est-ce que c'est moi, je voudrais vous demander, on est où ici? On est à Sakura. On est à Grand Val, ouais. D'accord. Enfin, je crois que Sakura, c'est Grand Val, en tout cas. Sakura, quoi? Mais c'est le même nom que où nous vivons. Donc on est au même endroit, mais... C'est ça. Si je fais le rapport et si je trie les infos, on est à Sakura. Mais d'il y a des décennies. Ravi d'être venu dans le passé, mais c'était pas le moment. On va rester à cette époque. Ouais, c'est vrai, il fait froid, c'est fini. J'aimerais aussi me réchauffer quelque part. Oui. Ah, mais c'est quelqu'un d'avoir une idée drôlement intelligente. Ah bah oui. S'il te plaît, feu lion, est-ce que tu pourrais nous réchauffer? Ah, oh, bah voilà. Oh, c'est génial. Oui, super, feu lion. Bon, il est bien serviable, mais vous ne servez pas de lui comme un appareil. Ils sont en train de discuter de chercher quelqu'un pour pouvoir débloquer ce seau, en fait. Ah. Quoi? On aurait dit un monstre. Ah, il les voit? Il a vu un Yukai? C'est elle, vous pensez? L'horloger. C'est lui, vous pensez, l'horloger? On dirait qu'elle est surprise d'avoir vu Felion, non? Je me demande si elle peut voir les Yukai. Hé, hey, vous là! J'ai besoin de vous poser quelques questions! Eh oh! Bon, on lui a fait peur. Allons la chercher! Qu'est-ce qu'il fait là? Et c'est qui, lui? What? Je l'avais vu dans la démo aussi. Je peux te parler une seconde? À bientôt! Mais c'est normal d'être surpris au premier abord. Vous voyez les Yukai, non? Oh. Ouais, vous êtes... Ah, du coup, on lui explique qui nous sommes. Voilà. Un corps de détective yokai. On essaie de comprendre et de trouver des mystères yokai. Wow, c'est trop cool. C'est pas comme si j'étais le chef de l'équipe, hein. Enfin, c'est la première fois que Yuaki est capable d'appeler des yokai. Je l'ai dit, ça aussi. Du coup, je voulais te demander... À toi, qui vois les yokai, tu t'appelles? Je m'appelle... Il s'appelle Shin. Ok. Du coup, j'aurais peut-être dû le renommer Shin. Oui, ça peut être plus pratique, oui. Ouais, je m'appelle Shin. Eh bien, enchanté, Shin. Donc, est-ce que tu sais quelque chose à propos de la partie sur le... Donc, est-ce que tu sais quelque chose à propos de la porte sur le pont? J'aimerais, mais... C'est qui, lui? C'est quoi cette chose? Je crois qu'il s'appelle Susan. Susan. Je suis pas sûre. Qui c'est que cette chose? Je suis désolée, c'est mon gardien. Ah, ils appellent ça des gardiens. Oh, Susan, il est si mignon. Cette énigmatique porte, Tobira, enfin porte, Tobira, c'est la même chose, est protégée par une force étrange. Je suis désolée de ne pas pouvoir aider plus. La véritable identité de la Tobira est inconnue. La porte. Hey Shin! C'est qui ça? Oh, c'est qui? Hey, que faites-vous? Vous pensez être dans un lieu de rencontre ou quoi? On te cherchait! C'est qui eux? Il a pas l'air. C'est qui ces deux personnes? Ah, oh, c'est des amis à moi. Peut-être qu'ils savent quelque chose sur l'appart. Si, ils ont l'air trop bizarres. Ce monde est génial! Allons écouter ce que ces deux personnes ont à dire! Hey, tout le monde! Vous avez vu ça? C'est peut-être un bingo-kai, non? J'avoue, un bingo-kai? Hein? C'est quoi, c'est un bingo-kai? Il n'y a pas d'erreur sur mon capteur, bingo-kai, il répond! Ouais? Il n'y a qu'à écouter Whisper.
C'est pas comme si tu étais le fantôme d'Imbingokai après tout. C'est vrai. C'est vrai ça. Bon, allons demander à ces deux personnes les infos qu'ils savent sur la porte. Bah attends, il y a un Imbingokai, mec. En plus, on a eu des... on a eu des pièces la dernière fois. Bah, par contre, je pense pas que ça fonctionne avec des pièces. Hein. Ah, tu crois que c'est pas les mêmes pièces que notre temps? Bah, ça a l'air étrange, regarde. Oh bah si... Eh hey. Ah oui, d'accord, c'est des pièces Imbingokai, d'accord. Ah, par contre, c'est vraiment pas ouf ce qu'on peut gagner avec. Bah, quoique, regarde, il y a des boules dorées de gorgouille. Ouais, mais il y avait des trucs mieux quand même dans l'autre Imbingokai. Bon, vu que les pièces sont rares dans ce jeu, on va quand même en utiliser une avec vous. Parce qu'il y a quand même des clés. Alors, on va voir. Mais j'ai pas envie d'utiliser mes pièces de Imbingokai dans un truc où... Je pense que je vais pouvoir avoir meilleur. Et on a eu une clé. Il va vraiment falloir qu'on trouve les portes. Hein. Mais tu sais, j'ai pas envie d'utiliser mes pièces de Imbingokai parce qu'imagine... Oui, normal. C'est un peu rare dans le jeu. C'est une bonne chose d'être tombé sur eux. Quoi? Il y a des yokai avec eux. Mais c'est bon, c'est des bons yokai. Ils sont amis avec. C'est une agence de détective yokai. Quoi? Ils ont peur des yokai dans ce monde? J'ai l'impression, ouais. Oh. Amis avec des yokai? Groupe de détectives? Qu'est-ce que tu dis? Il n'y a pas de bons monstres, tu le sais. Enfin, de bons yokai. Ah, en fait... Eux, ils doivent avoir connaissance que des méchancetés, tu vois, des mauvaises actions, tu vois. Mais oui, tu es vraiment en colère. Ouais. Tu te dis quelque chose, toi. Des bons amis yokai? Super, comment ça va? Je croyais vraiment en toi, Shin. Vous savez, les yokai ne sont pas tous mauvais, hein. On cherche juste des infos sur la porte. La porte au milieu du pont, c'est ça? Je ne connais pas ces personnes. Ce ne serait pas un peu trop dangereux de leur donner des informations? Je ne peux pas faire confiance à ces gens. Même les yokai et leurs habits sont étranges. Bah oui, on vient de... Bien longtemps, voilà. Il est très prudent quand même, hein. Nos vêtements étranges, c'est drôle ça. Il semblerait qu'il ne pense pas du bien des yokai. Ah. Hey, mais attendez. C'est peut-être... C'est vous les yokai... Les gars, le yokai watch? Une vraie montre yokai? Waouh! J'en vois pour la première fois. Je n'avais pas remarqué. Vous connaissez donc aussi les yokai watch? Pouvez-vous nous parler un peu? On va tout vous expliquer, mais ce sera long. Ah, maintenant qu'ils ont vu les yokai watch, je vais écouter. Ouais, maintenant qu'ils ont vu les yokai watch, c'est différent. Oui. Un monde du futur dans cette porte? Je n'arrive pas à suivre. Je comprends. Après tout, c'est quand même une histoire incroyable, hein. Comment pourriez-vous nous croire? Je vais parler de cette porte. Vraiment? Quoi? Il a changé d'avis aussi vite? Mais d'abord... Ah, il a donné un lieu. Attends une minute! Quoi qu'il en soit, il semble y avoir quelque chose qui se passe ici. C'est clair, pour qu'il pense que tous les yokai sont mauvais... C'est qu'il a dû passer quelque chose, en tout cas il y a un saut de rang A. C'était quoi ce déclic aussi, dès qu'ils ont appris qu'on avait la Yokai Watch? Ouais, à mon avis on est vraiment à peu près une centaine d'années en arrière, 80 ans peut-être, quelque chose comme ça, tu vois. Et on est dans un tout autre délire avec les Yokai, peut-être à la découverte de leur... Enfin, pas à la découverte de leur apparition, mais en tout cas en tant que eux, tu vois. Oui, d'accord, je vois. Ils venaient de découvrir, c'était pas aussi reconnu que... Enfin, vous m'avez compris, hein, pas la découverte, hein, parce que ça date d'il y a des années, avec le grand-père de Nathan, etc., bref. Mais la découverte pour eux, dans leur truc, tu vois, que c'était pas aussi... Oui, oui, bien sûr. Eh bien, écoutez, on va vous laisser sur ça, et on se retrouve vendredi pour le prochain épisode. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu sur la vidéo, ça nous ferait très plaisir. Et gros bisous tout le monde. Allez, salut tout le monde.